Jeg heter Nour Merheb. Jeg 17 år og går på den franske skolen i Oslo. Og i dag skal jeg få møte Kiana Rahmani, som også 17, og i Oslo for å ta imot fredsprisen på vegne av sin mor. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est votre mère qui a demandé que toi et ton frère, vous soyez son porte-parole à cet événement-là. Ça, oui. Et c'est aussi la décision de mon père. Ils sont souvent en désaccord, mais cette fois, ils étaient en accord. Donc oui, moi et mon frère, on va monter sur la scène et lire le discours que ma mère a pu écrire. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que ça veut dire que c'est ses paroles à elle. Personne d'autre les a écrites. Donc on va lire ça demain. Et mon père, je ne sais pas s'il lira en persan la même chose ou s'il ne lira pas. Mais oui, c'est la décision de ma mère et mon père. Sinon, toi, en tant que jeune fille de 17 ans, c'est quoi tes passe-temps, tes intérêts? Moi j'ai pour l'instant, parce que je change d'avis très souvent, j'ai une passion pour la cuisine. Donc j'aimerais bien faire militante et chef custo plus tard. Les deux sont possibles ensemble, je trouve. Et mes passe-temps, c'est regarder l'actualité. En fait, faut savoir que mon père et mon frère sont dans la lutte. Du coup, Femmes, Vie, Liberté, le mouvement, et bien avant, ils sont beaucoup plus que moi dans tout ça. Et moi, c'est tout récent, c'est-à-dire qu'au début, je ne m'intéressais pas trop. Je prenais des nouvelles, etc., surtout de ma mère, mais je ne m'y connaissais pas très bien en le sujet. Du coup, c'est vraiment cette année que j'ai commencé à, par exemple, me renseigner, voir l'État. Évidemment, quand je parle avec ma famille, ils me disent toujours l'État d'Iran. Mais avant, je tiltais pas trop, mais maintenant, je comprends très bien. J'arrive à faire des liaisons, etc. Donc, après, il faut savoir aussi qu'en tant que jeune fille de 17 ans, c'est assez dur de vivre comme sa mère. Bon, après, nous, on a eu la chance que, en fait, on était enfant. Donc, quand on est enfant, notre cerveau n'est pas très bien développé. Du coup, ce qui fait que, on ne s'en rendait pas vraiment compte. Pour nous, c'était « maman est partie ». Un peu quelque chose comme ça, elle va revenir, c'est l'habitude. On s'en rend pas compte en fait de la situation. Et ça, c'était plutôt une chance parce que sinon, ça nous aurait encore plus impacté et traumatisé. C'est surtout en grandissant que moi et mon frère, on a compris qu'on vivait dans une famille de militants et que du coup, on voulait aider du mieux qu'on peut le peuple iranien. Je sais pas si on pourra, enfin, je sais pas si ça va mener à quelque chose, mais en tout cas, on essaierait, on fera de notre mieux. Et donc, pour revenir à ta question, en tant que jeune fille de 17 ans, avec une famille de militants, moi, je me sens très honorée et très heureuse. Mais je comprends vraiment ton intérêt. Et avec la famille, c'est vrai que c'est vraiment une famille. Entreprise familiale. Voilà, parfait, on peut le dire comme ça. Mais du coup, tu as parlé de l'emprisonnement de ta mère. Est-ce que tu ressens que, à cause peut-être de toute sa politisation, son activisme, ça peut créer des distances entre vous ou bien au contraire, ça renforce votre connexion? Alors ça, c'est une très bonne question parce que justement, c'est un peu des deux. Évidemment, rien ne peut combler le manque d'une mère dans une famille ou peu importe, d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une sœur. Pardon, surtout quand la famille est réellement unie. Nous, notre famille, c'est un peu une famille Disney, on s'aime tous, juste pour caricaturiser. Donc, ça a été dur à certains moments, parce que, évidemment, mon père, c'est un homme, et j'ai pas le corps d'un homme, je suis une femme. Donc, à l'âge de puberté, etc., quand notre corps change, quand on commence à se maquiller, question d'hygiène, etc., en fait, j'ai dû l'apprendre tout seul, et ça m'a vraiment... comment dire, ça m'a un peu rendue triste et j'étais un peu saoulée parce que j'aurais bien aimé que quelqu'un soit là pour m'apprendre. Mais après, il faut savoir que je n'ai jamais voulu à ma mère. C'est une femme formidable, c'est aussi une mère formidable parce que quand on dit c'est une femme formidable, et si on précise pas que c'est une mère formidable, peut-être que c'est pas le cas, mais elle en tout cas, elle est les deux. Je la respecte en tant que mère et en tant que militante. Et moi, je ne lui en veux pas. Personne ne lui en veut. Tout le monde comprend ses choix. Et ma mère est toujours dans mon cœur, à moi, mon frère et mon père. Donc, on est toujours unis. On pense toujours qu'on est à quatre, etc. Même si visuellement, on est à trois. Mais oui, ça nous sépare du point de vue où je ne sais même pas quelle taille ma mère est fait. J'ai oublié le son de sa voix. Je ne sais pas la longueur de ses cheveux. Je ne connais pas la couleur de ses yeux, à part quand je le vois sur une image. Je me rappelle plus de comment elle m'appelait, de quoi on parlait, etc. Mais après,
C'est le lien mère-fille. Donc, je reste quand même très attachée à elle et on reste toujours très soudés. Je sais qu'elle m'aime et je l'aime également. Et pour en venir au fait de la puberté, je trouve que le combat femme, vie, liberté, le mouvement et sa vie de militante en vaut largement la peine parce qu'on se bat pour la démocratie, la liberté et le droit des femmes. Et ces trois choses, justement, n'ont pas de prix. Et en Iran, pour l'instant, on n'a pas obtenu ne serait-ce qu'une des trois choses. Donc oui, ça en vaut la peine. Nous, on endure tout ça, tout simplement parce que ces causes en vaut la peine pour qu'on donne sa vie pour elles. Donc moi, je ne suis pas... Évidemment, ma mère me manque, je suis triste. Mais le sentiment de honneur, de je suis très fière d'elle, prend toujours le dessus. Donc moi, je continuerai toujours à soutenir ma mère, même si ça veut dire que je la verrai plus jamais de ma vie. Et évidemment, c'est ma mère, je l'aimerai tout le temps. Tu as parlé de femme, vie, liberté. Oui. Du coup, ces trois mots-là, j'imagine qu'ils ont une très grande signification pour toi. Alors, pour moi, oui, mais je ne sais pas si tout le monde a la même vision. Pour moi, femme, déjà, ça désigne les femmes dans les pays de Moyen-Orient, des pays qui ne sont pas forcément très développés sur la démocratie, la liberté et le droit des femmes. Donc, pour moi, femme, ça désigne toutes ces femmes courageuses et fières d'être une femme, qui se battent tous les jours pour un avenir meilleur, tout simplement. Vie, pour moi... Vie, c'est un peu une signification spéciale et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la même vision que moi. Vie, pour moi, ça veut dire que ça en vaut la peine qu'on donne sa vie pour cette cause. Donc femme, vie et liberté, tout simplement, c'est quelque chose qu'on va bientôt obtenir, j'espère. Comme ma mère a dit, la victoire n'est pas facile, mais elle est certaine. Donc en tant que fille de Narges Mohammadi, je suis persuadée qu'un jour, on arrivera à avoir une liberté, le droit des femmes et que tout ça mènera à une démocratie. زن، زندگی، آزادی.